C'est que mwen ansan gwe punje. Ndan gwe lengriye ten deux ou ye ben fou. C'est que vous faites quoi, yon ne va. C'est quoi pessin zembelal? C'est quoi même pessin zembelal? C'est quoi yam me pesi imbe manza? Pe me pe fa, pe me pe onka. Repose ta question, s'il te plaît. Comment on dit j'espère que tu as passé une bonne journée ou j'espère que tu vas bien, les deux? Déjà, j'espère que. Mouvonchami. Ngokwe. Non, ngokwe, c'est j'aime. Ngokwa, c'est le A. Ah, ok. Ngokwa. Il n'y a pas de N. Ngokwa. Ngokwa. Ngokwa, le me là, ça, quoi, c'est penser, croire. D'accord. Si, si je veux dire je pense, c'est ngo quoi. Ngo quoi. Le me, ça veut dire que ngo quoi me. Ngo quoi me. Pente. Pente. Vous connaissez quand même te, non? Mm-hmm. En santé. Et pe, c'est quoi? Vous. La main? Non. Vous. Non, la main, ah, c'est vous. Peau. Ok. Donc, le quoi me pente, allez-y. Le quoi me pente. Oui. Et dites un peu, je pense que tu vas bien au lieu de paix. Le quoi me pente. Tim. Et la liaison, parfois, ça fait le quoi monte. Le quoi monte. Ah, uh-huh, là-bas. Tu avais posé une autre question. J'espère que tu as passé une bonne journée. Ah, voilà. J'espère que c'est déjà quoi? Go quoi? Ah non. Go quoi? Go quoi? Quoi, c'est je aimer, c'est ça? Oui, go quoi, c'est j'aime. Go quoi, ok. Go quoi? Ne mets pas le, la nasale sur quoi. Go quoi? Go quoi? Go quoi? Oui, je t'aime, c'est quoi? Go quoi? Ngokwe o. C'est ngokwe. Pourquoi tu dis encore quoi? Hein? J'aime toi ngokwe o. Hein? Ngokwe o. Oui. Mais je pense que ce n'est pas ngokwe. C'est ngokwa. Avec le A coup de glotte. D'accord. Ngokwa. 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 Passer une bonne journée, c'est ntolienze. Hein? Donc, ngokwa me. Yé lienze, allez-y. Ge quoi me lienze. Yé lienze, votre journée. Lienze, c'est la journée. Lienze. 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 Lienze, c'est la journée. Lienze. Yé, c'est votre. Ge quoi me yé lienze. Yé lienze. Ge quoi me yé lienze. To. Que votre journée. Tor, pepe. Pepe. Tor, pepe. Oui, tor, c'est passé. Donc, ça veut dire que si je veux dire, j'espère que tu as passé un bon voyage. C'est ça que Kwame, yé. Yo, yo, tom, tom. Ah, yo, yo. Yo, tom. Tor, pepe. Tor, pepe. Tim. Donc, tor, c'est passé et pepe, c'est bien. Gokwame yé yo tom yo c'est pour toi. Oui. Gokwame yo yo tom top pe. Et j'aime quand vous venez avec des questions comme ça. Ne venez pas juste prendre ce qui est déjà établi. Venez avec des tonnes de questions. Ça permet que l'apprentissage soit personnalisé. Fab. Me vous pas le panda sinon le chicho là sinon là la phrase là la sinon la sinon présente-toi. Ah, j'ai pas là, c'est vrai, d'accord. Oui, retiens une fois cette phrase parce qu'à l'examen, voilà ce que l'enseignant va te dire. La sinon, tu vas dire hein. Là, si veut dire montrer, montre là aussi. Là aussi. Et na, c'est le corps.
D'accord. La sino, c'est montre ton corps littéralement, donc présente-toi. D'accord. Ngue chosile poume. Zezame poileux. Ah, tu as encore du zézame. Zezame poileux. Mon ami, si elle fait des fautes, corrige immédiatement. Hein, dit-elle, on est. Donc, c'est pas zé, mais zézame, pas zézame. Zezame poileux. Et ne lis pas le N de zen. Zé. Zezame poileux. Ah, poileux. Poileux, poileux. Zezame poileux. Zezame poileux. Ngue sime Paris. Bon ton, super, yapé, Kim. Là, ça me serait, j'ai pas mes notes à côté de moi. Si tu peux, t'es pas obligé de faire un autre. C'est qui Tu défend. n'es pas obligé de faire un ordre, comme elle dit. Là, ça va D'accord. moins te stresser. Ok. Il y a Wupien Pandé. de Pandouze. Landewouze, Landewouze, Ne dis pas l'andeux. L'andeux. L'andeuze. Landewouze, c'est Wouze. préparé. Oui, deux, c'est préparé. Un synonyme, c'est na. Justement, je sais déjà, ok. Na. De. Ngue, poum, quoi? C'est pas quoi. Quoi. Quoi? 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 Quoi. Quoi? Quoi. Hein, quoi. Quoi? Fais quoi? Quoi? Yaba. Et puis ne dis pas Quoi? ngue poum. Dis ngue poum. Gue, quoi? Quoi? Ngue poum Quoi? quoi? Gue, quoi? Donc tu vois, ne tire pas souvent trop. Ça va faire comme si c'était un robot qui parlait. Dis ngue poum quoi? Gue, poum, quoi? Pardon. Jassi, Ah Pas bon, Dindi. je ne me rappelle plus de ma présentation. Ah oui, gomme, 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 pas gomme, gomme. Gomme, 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 dit encore. ça je connais pas, par contre, j'ai une demande que Ah, ça veut dire. yamen, tu peux dire yamen, d'asimoke. Yamanda Oui, ou bien jindemke, c'est très bien aussi. Smoke. Yamen dasimke, ça veut dire, ça signifie quoi? Oui, Yamanda littéralement, ça montre quoi? Ndasi, ça veut dire montrer. D'accord. Oui, yamen dasimke, ça montre que quoi? Ça signifie Yamanda quoi? Smoke. Yamanda Yassine, non. J'ai bien commencé? Non, je Non. demande, Et c'est, ça veut dire quoi ton travail? Tu as dit ngum, nga, Gachasiola nga. Ngum, Omaha. nga. Yamanoxi. Yamanoxi, Woyo, Woyolo. Mets la nasale à Ngente. Ngente. Gente, Ne mets pas le coup de Gente, glotte à la fin. C'est Nte. Gente, Ah, oui. Gente, Omaha. Gente, comment dire encore la voiture? C'est pas moi, toi, qui me Gomme gêne. Non, pas tam ma du. voiture. Gomme tam du. Gente, Tam Tambu. Ah. Gente, B. Ah, Gomme Gamin, Ah, Oyemvre, Amangem Tom, Ndamam, ça c'est si nous fit. Yapet, Nanget Tom, ça veut dire quoi? Aller en voyage, Tom, c'est le voyage. Mais c'est quoi? Non, Gamin, mais je vais pas en voyage. Je vais à la maison. Maison. Ah, ok. Mbé, Je rentre. Je oui. finis 19h30, comme j'avais dit. Mais Ah, là, je rentre plus d'accord. tôt. Je suis dans la voiture. D'accord. Je C'est comme rentre. B, c'est un mot polysémique en langue féfé. Mais c'est maison aussi, non? Oui, B, c'est la maison. Oui. B, c'est aussi le village. Oui.
Donc, même dans ma langue, c'est la même chose. Oh, d'accord. Mbaï, on dit mbaï, mbaï, la maison, mbaï, le village. Tu vois que mbaï, c'est mbé, non? C'est pas différent. Mais c'est la même chose. Donc, moi, j'ai pris plutôt mbé dans le sens de village, quoi. Village, non, non. Ah. Non. Pas ce week-end, non. J'ai beaucoup d'obligations ici, je ne peux pas partir. Ah, ah. Oh. Nge kanjio le ochon cheno. De nge kanjio. Nge kanjio. Nji. J'ai quoi? Non, nge kwe njio, nge kwe njio. Nge kwe njio. J'aime ton habit. Fab team. Moi j'ai entendu j'aime. Je croyais que njio, j'ai pensé au foulard. Ah, non, l'habit, c'est Nji. Comment tu peux pouvoir? Ah Nji. Oui, j'ai fait la caméra. comment on peut dire que comment tu fais pour voir? Dites un peu, tu vois comment? Le verbe voir. Nji. Nji. Onji. Om Nji, tu mets le me. Om Nji. Om, tu mets le me. Om Nji, là. Ah, om Nji me la. Om Nji me la. Ah, et si tu veux dire tu me vois, om Nji na, le na là veut dire moi. Hein? Om Nji na me la. Pourquoi on dit pas om Nji? Ah. Ah ah. Ah ah. Pourquoi c'est qu'on dit na? Voilà, j'avais expliqué ça dans le livre de grammaire. Que le féfé coupe généralement les consonnes finales la plupart du temps. Dans les autres langues bamileke, on ne va pas dire nji, on va dire njen avec le n, le n à la fin. Ok. Et du coup, le n de la fin là va permettre que njen a, ça va faire le njen, njena, njina. Donc voilà comment est-ce que ça peut aider. Mais ça, il faut savoir. Oui, il faut savoir, malheureusement. Wow. Oui. Donc, mais avec le temps, généralement, au fur et à mesure que tu acquiers le vocabulaire, tu acquiers ça avec le pronom. Oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, et il y a aussi parfois des voyelles finales qui peuvent prédire la consonne qui va être utilisée. Dans le livre, par exemple, je regroupe beaucoup de catégories. Par exemple, tous les mots qui finissent par « or », « or », comme quoi ?« Mba oh. ».« Mba oh. ».« Mba », c'est la viande. Oh. « La viande oh. ». Ça va, la possession va se faire avec la lettre « b ».« B ».« B ».« Bob ».« Boba ».« Boba ».« Ma viande ». L'argent, c'est quoi ? Encore, le temps moyen, encore, pas que, mon poil, c'est pas que, c'est encore. Fais pas encore. Donc, dis encore, pas que, encore. Donc, fais d'abord A, fais un vrai A d'abord. A. A. Maintenant, ferme un peu, tu dis A. Encore. Donc, mon agent, c'est quoi? Encore. Mais pourquoi on ne dit pas encore pas avec P? Les P, c'est les choses dit cap. Le P et le B aussi ont un conflit. La plupart du temps, il y a un conflit entre le P et le B. Donc, même quand on dit cap, d'autres écrivent avec B, d'autres écrivent avec P. Ça, c'est vrai. Et quand les voyelles se terminent par E, E, le, par exemple, c'est NT, allez-y. NT. Si je veux dire mon marché, tous les E là, la consonne qui va suivre, ça sera le N. NT. NT. Na. Mais là, du coup, moi, ça me donne l'impression que la première consonne, c'est ça qu'on utilise pour faire la possession.
Laquelle consonne? Ah non, 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 non. Comme c'est un T encore, non, non, ça ne marche non. pas comme ça. OK. C'est juste comme j'ai dit là, il faut retenir les groupes. OK, il faut retenir. D'accord. Oui. Donc, d'accord. je dis un T, ça avait N, pourquoi? Parce que je m'en vais encore dans d'autres langues. Mm-hmm. Je vois que le marché, c'est une tonne. Mm-hmm. Et ce ne la permet rapidement de voir que ça sera un tena. Tena, voilà. Fale, zéléme, pomenge la chessirembi. Oui, pomenge zéléme, woyolo. C'est le chapitre qu'on va voir aujourd'hui, woyolo. Mais avant ça, je voudrais qu'on corrige d'abord votre devoir. Le devoir que j'ai donné la dernière fois. Poyate, l'one. Ngosi Yankoyi. Je viens de dire quoi? Ngosi Yankoyi. Je vais aller. Non, Ngo, c'est partagé. Ngo. Ngo, c'est partagé. Oui. Ngosi, c'est aussi partagé à plusieurs reprises. Ngosi. Yankoyi, Nkoyi, Yanko, qui est toute plaque. Et yi, c'est voir. Mm-hmm. Nkoyi, c'est donc quoi? L'écran. L'écran, bravo. Donc, dites Ngoyi, Ngoyi, Nkoyi. Ngoyi, Ngoyi, Nkoyi. Je dis, je suis arrivée à la maison, je vais m'installer devant la machine au bureau. C'est pour ça que j'ai coupé la caméra parce que je suis en train d'entrer dans la maison. Oh, Chassoub, me fou. Donc, oh. Pardon. Ngoyi, Tessino. Ah, me vous. Oh, Chassoub. Oh, me, Chassoub. Ah, me, que. Oh, me, Chassoub. Chassoub. Je content. Ah, problème. Ah, ici, c'est détaché. Ce n'est pas chassis. Mm-hmm. C'est un tcha. Allez-y, un tcha. Un tcha. Oui, un tcha, c'est déjà un problème. Un tcha. Ah, un tcha. Maintenant, si c'est la négation. Si c'est la négation, bravo. Okay. Allez-y, un tcha, si oub. Un tcha, si oub. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Il n'y a pas de problème. Uh-huh. Du coup, ça m'a perdu. Je sais qu'un chat, c'est... Ah, que c'est la joie. Oui. Oui, j'ai cru que ça avait donc deux revers. Ah, ne mets pas la nasale devant la joie. Dis seulement chat. Il n'y a même pas de nasale. Chat. Oui. Alors que si j'ai dit chat. Voilà. Corrigeons rapidement le devoir. Personne n'a eu 100%. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, c'est... Hein? Moi, c'est juste une fois où j'ai fait une erreur. Je ne comprends pas moi-même pourquoi. En fait, à langue maternelle... Ah, Simonjou. Simonjou. Oh, au lieu de Ngosimundjoub, la grammaire préfère Ngosimundjoub. 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 Je vais vous montrer ce qu'il fallait faire. Il y a un endroit où tout le monde a raté. Voilà. Donc, allons-y, lisez ça. Non, aussi la même zé. Zé. Je suis Izen. Bon ton. Vous évoluez dans la lecture, c'est bien. Zepi, je suis Izen. Zepi, je suis Izen. Zé, c'est quoi? Le nom. Je suis Izen. Le prénom. Voilà, le prénom. Je suis Izen. C'est constitué de je suis, qui veut dire ajouter. Dites un peu, ajoute-moi. Je suis A, bravo. Wow. Allez-y, je suis A. Je suis A. Ajoute-moi la nourriture. Je
Je suis Aouz. Tim! Donc maintenant, tu vas savoir dire à grand-mère que je suis Aouz. Hein? Je suis Aouz. Dites, grand-mère, ajoute-moi à manger. Me vaut dame. Dame. Chicho. Bravo pour le chicho. Bravo pour le chicho. On ne dit pas me vaut dame sans mettre le chicho. Allez-y encore. Me vaut dame, chicho, je suis Aouz. Me vaut dame, chicho, je suis Aouz. Dites, j'ai faim. Je ne sais pas. J'ai quoi? J'ai faim. Ajoute-moi à manger. Je suis à Ouze. Si tu ne sais pas dire j'ai quoi, mon quoi, tu vas mourir de famine au village parce que tu ne sais pas dire que j'ai coup mon quoi. Retiens ça. Hein? J'ai coup mon quoi. Et j'ai soif. J'ai coup mon... L'eau. Nchi. Pas nchi, nchi. Nchi. Coup. J'ai. Nchi mon quoi. J'ai, c'est l'envie. J'ai. Nchi mon quoi. J'ai. Nchi mon quoi. Nko, ça veut dire me saisir, me prendre. Donc, la famine me prend, me saisit. Mais pourquoi pour boire de l'eau, il n'y a plus... J'ai chim en quoi, il y a. Ah non, mais ok, pour manger, c'est j'ai kou. Ah, quoi. D'accord, ok. Il faut se chercher à comprendre ce que kou veut dire. Hein? Kou, c'est l'igname. Wow. Donc, pour dire qu'on a fait, on dit littéralement quoi? J'ai envie de l'igname. Parce que c'était certainement le coup qui était le repas principal. Et voilà. Même si tu as envie du riz, tu dis seulement j'ai coup mon quoi. et parfois, on fait des blagues avec. Quand tu dis j'ai coup mon quoi, on dit que coup aussi c'est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le. L'igname. Oui. Il n'y a pas l'igname. Qui a seulement le couette, il y a seulement, on dit, il y a seulement le cou, il n'y a pas le cou. Donc, la plupart du temps, on blague avec. Voilà. C'est bien de connaître aussi les éléments culturels. J'ai chi mon quoi. Voilà. Allons-y. Lisez la première phrase et traduisez. Mbela. Ah, tu dis quoi? Ah, ok, d'accord, je ne voyais pas. Mbela. Ce n'est pas mbe. Ce n'est pas mbe. Le ton moins. Mbela. 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 Tout le monde a trouvé. C'est bien. Dis d'abord en français et traduisez. La vidéo aide aussi les gens qui conduisent beaucoup. Salut. Mbela. Mpambele, mbele. Mbele. Je ne veux plus que vous... Hein? Le ton de mbele, quand même, c'est la plus simple des choses. Mbele. 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 Yaba, ne dis plus mbele. 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 Yapé. Et le ton moyen, hein, c'est e, 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 et non e. Tu as encore dit mbele. 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 Pab. My name is Ngameni. Je m'appelle Ngameni. Je m'appelle Ngameni. Zézame. Zézame. Pourquoi le ton moins vous fait défaut? Zézame.
Kwepoalohu, ça veut dire tout le monde avait trouvé. Nhu, c'est trouvé. Kwepu, c'est tout le monde. Kwepuwa. Kwepuwa. C'est les gens. Ah oui, pu, c'est les gens. Nkwe, c'est tout. De même pour dire tous les jours, on va dire quoi? Kwelie. Kwelie. Chim. Chaque semaine, vous connaissez la semaine? Nga. 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 Chaque semaine, toutes les semaines? Kwe. Nga. Kwe. Nga. Kwe. Nga. Paul Angembi. I am from Babuche. Je suis de Babuche. C'est ici que tout le monde a raté. Personne n'a trouvé. Oh. Et c'est ça qui a certainement fait que personne n'est 100%. Ce n'est qu'ici. Eh. Mon bon gomme, ouais. Pourquoi c'est pas une Ngoa? Elles sont d'Ngoa. Vous dites encore Ngoa aujourd'hui. Pardon, Ngoa. 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 Chita. Chita. Ngoa. Ta. Ngoa. Ne dis plus Ngoa. Ngoa. Peut-être ma chérie. En fait, tu as tendance à dire soit Ngoa, soit Ngoa. Ngoa. Au lieu de quoi? Ngoa. Au lieu de Ngoa. Imitez la période par Yolo Ngoa. 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 Fab, me vous poil Wondro, toi seul. Gebe Ngoa. Yaba. Chim. Je vois beaucoup de personnes pour une recette de Ndjum. Pour le Ngoa, est-ce que Ngoa c'est pour Mumba? Nga. Non, c'est pour femme. Mumba. C'est Mumba. Tout le monde, je comprends pas ce qui se passe. Ah, c'est l'erreur. J'étais surpris que 90% de personnes disent Ngoa. Ngoa, c'est les filles, non? Il n'y a que les filles qui peuvent dire Ngoa. Et les hommes disent quoi? Yi. Oumia. Oumia. Donc, yi, c'est pour les deux, c'est pas seulement pour les hommes. Ok. Donc, voilà pourquoi presque tout le monde a raté. Donc, il fallait choisir quoi? Ngemengwa. Pourquoi? Ngemengwa. Il n'y avait pas de réponse Ngoa pour homme, pour femme dans la question. Ah, d'accord. C'est que c'était Yi. C'était Yi ou bien Mia. Tricky, tricky. Ça, c'était le piège. À Ngoa. Et on a mis ici Ngoa. Cette personne a failli trouver, mais a ajouté quelque chose supplémentaire. Attends, je vois même. Fancy. Oui. Lui, il a mis tous les trois. Il a mis Ngoa, Mumba. Est-ce Ngoa, c'est Mumba? Nga. On pouvait prendre Yi, parce qu'on n'a pas précisé le sexe de la personne ici. On pouvait dire Yi, ou bien Mia, pour les Mumba. Payunche, ça veut dire quoi? Payunche, oui, tché, c'est maintenant. Tché. Tché. Vous avez compris maintenant. Répondez. Payunche. Payunche. Formez la phrase. Payunche. Payunche. Tché. C'est maintenant. Et aujourd'hui, c'est quoi? Lié, c'est la journée, le jour. Zé. Fab. Ah oui, c'est vrai. Zé. Zé. Et demain?
Ouye. Wa. 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 C'est wa ou c'est wa? Hein? C'est wa ou c'est wa? Wa. Quand on parle, on oui, mais quand wa. On parle, on dit seulement wa dans le courant. Ah, ok. Wa. Oui, le H là ne ressort pas dans le courant, te wa. Allez-y, te wa. Te wa. Te wa. Ça veut dire quoi? À demain. Te wa. Polangembi. Sim. Ah, tout le monde a trouvé Kwepoahu, Nge Sim. Polangembi. Nge Ru. Fab. Polangembi. C'est là où je me suis trompé. Ah, tu t'es trompé, tu t'es racheté après. Moi, ouais, j'ai fait deux fois. Moi, j'ai procédé par élimination. Je ne savais pas ce que c'est. J'ai dit, ok, je connais. Ah. Effectivement, moi-même, il y avait un génie qui a compris que, ok, moi, ça doit être ça. Ok. Mais après, j'ai utilisé le dictionnaire, j'ai vu qu'effectivement, c'est ça. Moi, je n'ai pas voulu prendre les autres mots, j'ai dit ça, c'est ça. Ça. Donc, ça fait... Donc allez-y, traduisez. Je suis cultivateur. Gume. Parce que ça c'est U avec le coup de bord This is my brother near me. On a précisé. Hein? On va dire quoi? B. Memo. B. Pas memo. 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 B. Memo. B. Memo. Moi, je vais continuer. B. B. Ba. B. C'est pas ba. Ba. Le. B. A. Ba. B. Très bien. Mais maintenant, si tu veux, le ba là, parfois maintenant, si tu veux maintenant Tacha. Continuer. Oui. Tu que yoba, le voilà, yoba. Hein? Yoba. Voilà. Yoba. Donc, ça devrait être B parce qu'on a précisé. Paul Angembi. Zezim. Zezim. Pierre. Ce n'est pas Zé. Mauvo. Jamy, c'est quoi? Zé. Fab. Zezim. Zezim. Pierre. Ibello. Voilà ma grande mère, loin de moi, près de toi. Me vondem. Non, ce n'est pas ndem, c'est ndam. Ndam. Me vondem. Ba. Me vondem ba, c'est ça? Me vondem ba. Oui. Pardon, je disais juste voilà, quand mon produit c'est ba. C'est ba. C'est ba. Beaucoup ont dit B. B. Non. Hein, ça prouve que le concept le n'était pas compris. C'est loin de nous. Donc, B, c'est où? Proche de B, moi. B, c'est à côté de moi. Et à côté de toi. Ba. Loin de nous deux. B. B. Dites un peu, me voici. Me bé. Oui. Moi, j'ai failli dire bému. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oui, parce que parfois, on change de position. Hein. Mubé. Mubé. Hein? C'est mubé? Oui, mubé. D'accord, mubé. Tu t'attendais à quoi? Moi, je disais mubé. Ah non, c'est mu. C'est mu, ok. Mubé.
Est-ce que et... ça se dit Ngemembe? Ah, c'est ça que je devais dire justement, ah. Emboîter. Ah, on ne dit pas Ngebe, Nge. Moi, c'est me, n'est-ce pas? Ok. Et Nge, c'est je. Mm-hmm. Donc, voilà, je vais entendre Nge. Me voici. Et me. Mbe. On ne peut pas dire que Ngebe. Mm-hmm. Je voici. Voilà. Donc, dit me. Et il faut apprendre les pronoms personnels aussi dans le livre de grammaire là. Dans le chapitre des pronoms personnels, il y a les pronoms personnels sujet et les pronoms personnels objet. OK. Oui, c'est aussi important de lire la colonne là. On ne peut pas tout faire ici en cours. Donc, mais sinon, pour les autres pronoms, dites me. 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 Wo. 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 Wo, ça veut dire toi. Mm-hmm. Alors que tu, c'est quoi? O. 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 Un O, das mo wo. Allez-y. O, das mo wo. O, das mo wo. Ndasimo, ça veut dire signifie que. Signifie. Ndasimo. O, ndasimo wo. Oui. Nge, nge, ndasimo ke. Nge, ndasimo ke. Nge, ndasimo me. Me. Nge, ndasimo me. O, ndasimo wo. Wo. O, ndasimo wo. A, ndasimo ye. A, ndasimo ye. Ye. Yeah. Dites un peu, le voilà, loin de moi et près de toi. Yeba. Yeba. Allez-y. Yeba. Dites un peu, où est l'enfant? Moum. Dites, le voilà, à côté de toi. Yeba. 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 Dites, le voici à côté de moi. Yebé, yebé. Dites, te voilà. Je t'ai vu. Woba. 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 Je t'ai vu. Woba. Nge manji. Non, nge yi. Nge yi. Nge yi no. Nge yi no, le ne dont je parlais. Nge yi no. Nge yi no. Nge yi no. Je t'ai vu, nge yi no. Geino. Donc, te voilà, c'est Woba. Mouvongo, vous voulez poser une question par rapport? Non, non, ça va. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut dire Wobe? Non. Non. Pourquoi pas non? Pourquoi non? Je dis même. Bon, peut-être en présentant sur une photo, te voici. Donc, voici, tu peux être à côté de moi, je dis Wobe. Oui. Te voici à côté de moi. Même une photo. Par exemple, maintenant, est-ce qu'on peut dire Wobi? Oui, sur la photo, oui. Ah, ok, peut-être sur la photo. En posant sur une photo, oui. Moi-même, j'ai dit ça comme ça. Mais est-ce que réellement? Non, c'est difficile quand même. On ne peut pas dire Wobi si c'est réellement. Sauf si tu t'es dédoublé. Oui, c'est... Parce que on doit dire quoi? Woba. N'est-ce pas? Oui, Woba. Oui. Woba, te voilà. À côté de toi-même, Woba. Oui, Woba. Donc, on a maintenant maîtrisé B, Babi. C'est très bien. Oui, Babi. Oui, c'est bon. Paul Angembi. Allez-y, lisez. Ne confonds pas A et O, hein? Me vaut poilot. Toi, tu as dit fa. Fa. Voilà. Okay. Pantielo Chicho. Ansime fa. Fab, ansime fa. Dites un peu, il habite avec moi. Ansime. Mouvongo. Me. Avec moi, avec. Asimemu, ça veut dire qu'elle habite là-bas. Asimepime. Ne mets plus le me.
dis seulement ansipim. 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 Ngochasiolamba fancy. Ngochasiolamba fancy. Melambo. Gunten. Le pays. Aha. Olangembi. Elle a 50 ans. A rue Gounze Muti. Ce n'est pas mu. 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 Le ton. Mu. 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 Muti. 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 Tu as d'abord dit quoi? Muti. Aha. Au lieu de. Muti. Dites un peu 40. Quoi? Me vaut pas le attention, hein, le ton. Si tu dis quoi, tu sais ce que quoi veut dire. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Ah, ok. Ok. À quoi? Il est mort. Il est mort. Et j'avais même fait une blague avec ça. Quoi? Oui, une maman avait envoyé quelqu'un aller chercher ses enfants. Quand ils arrivent, elle dit poupus eux. Et l'enfant dit que pourquoi? Oui, il voulait dire ils sont quatre. Vous êtes combien? Ils sont morts. Pourquoi? Au lieu de quoi? Pourquoi? Donc, retiens que si tu t'amuses avec ça, tu vas faire pleurer les gens. De très mauvaises nouvelles. Pourquoi? Non. Pourquoi? Ils sont quatre. Pourquoi? Je vous laisse d'abord, comme je fais d'accoutumé, avec d'autres groupes, 3 minutes pour discuter entre vous. Vous dites n'importe quoi. Je serai en background et je vais corriger quand il y aura des erreurs. Vous vous causez de n'importe quoi, posez-vous des questions. Ok. Ah, il y a un autre homme là. Comment s'est passée la journée? C'est ça, non? Bon, fancy. Y a fa. Pangon dans la chichon, bon, fancy. Il y a un tome là. Ah, yi. Ah, doucement. Il y a un tome là. Non, mais là, ça veut dire comment? Tu peux pas dire oui. Je voulais continuer. Comment? Ah. Je voulais continuer. Mpe. Ya top pe. Ya top pe. Oui, on ne va pas dire mpe. On va dire ya top pe. Ya top pe. Ya top pe. Ou bien ya lienze top pe. Ya lienze top pe. Ou bien tout simplement lienze top pe. Lienze top pe. La journée, c'est... Woyo, Tim. Tu dis Woyo, yo, lienze tome là, ne fuyez pas la construction là. Woyo, yo, lienze tome là. Tim. Ça, c'est peut-être si on dit juste yame là. On doit vraiment dire yame là. Hein? Le H, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Oui. On a vu ça, par exemple, waha et wa. Laha, la. Me vous battez. Tam est entré. Ah, me vous battez. Aquendio. Aquendio. Elle est entrée, c'est Aquendio. Quen. Nkwe, c'est entré. Nkwe. Nkwe. Aquè. Allez-y. Aquè. Oui. Aquendio, elle est entrée dans la maison. Aquendio. Me vous battez, y'a me là. Y'a me noc. Me vous battez, ça peut pas. Ça peut pas. Ça peut pas. Il faut lui expliquer. Ça. Bienvenue, ça, me vous battez. Viens bien.
Bien, bien. Tim. Bien. Il faut dire au moins merci, non? Tu connais au moins l'autre là, non? Gapeno. Bravo. Gapeno. Gapeno. Mavondengwe. Un tialom, un tialom, chassina, nakosi, je suis en avec ta benjole. Il ne faut pas beaucoup parler, bafasi. Bafasi, tu te onda. Omanchua, un tialom, chassi, tu m'engue, angele. Yale, un tialom, chassi, onda. Un tialom, chassi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non. Gorge ta tête sinon. Mauvais. Chassi. Ok. Pour dire il n'y a pas de problème, c'est un chassi ou Je voulais savoir si il a dit chassi. Ah non, il a dit chia. C'est chassi, c'est chassi. Chassi. Il a dit chia. Allez-y, chia. Chia. Chia, c'est le cœur. Chia. C'est aussi l'esprit. Chia, c'est mon cœur. Chia. L'or, ça veut dire. Où c'est ton cœur? Non, je suis en train d'expliquer ce qu'il a dit. Ntia, c'est mon cœur, allez-y. Ntia, mon cœur. Ok, il y a déjà l'adjectif possessif dessus. Oui. Ntia. Et maintenant, L'or, ça veut dire plein. L'or. Le. Tchalo me chassi. Tchalo me chassi. Mon cœur est plein de joie. Tchalo me chassi. Parce que chassi, c'est la joie. Tchalo me chassi. Mon cœur est plein de joie. Donc, ça veut dire enchanté. Voilà comment nous on dit enchanté. Donc, lui, il a dit. Je suis content de vous voir. Tchalo me chassi. Voilà, on va commencer le cours. Vos trois minutes sont épuisées. Oh, c'est vite fini. Comment on peut dire c'est vite fini? Comment on dit d'abord c'est fini? Yami. Très yami. Bien. Waouh, tout le monde connaît Yami. Hein? Non, yami. C'est le monde dit ça dans la présentation. Tout nos leçons finissent par Yami. Et pour dire vite, rapidement. Mawa. Allez-y, Mawa. Mawa. Yami et Mawa. Et comment on dit doucement? Nda. Me vous battez. Nda. Me vous battez. Yamela. Yamela. Nga peine, nous voyons ça si elle s'y est là. Gopeno, c'est quoi? Gopeno, ça veut dire merci. Mvrayi, ça veut dire comme. Allez-y, Mvrayi. 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 Osa, ça veut dire quoi? Osa. Tu es venu. Siesi. Professeur. La leçon. L'enseignant, il faut mettre le N devant, ça fait une sieste pour l'enseignant. Oui, la leçon, c'est sieste. Sieste. J'ai dit Ngepeno Mvrayos. Allez-y. Ngepeno Mvrayos. Sieste Zel. Sieste Zel. La leçon du jour. Au cours. Gopeno voyons ça. Merci comme tu es venu. Merci. Gopeno voyons ça. Si comme tu es venu au cours.
aujourd'hui. Mm-hmm. Hein. Paul Angembi, aujourd'hui, on va voir comment on dit. Et toi, Pelem Woyo. Woyo. Hein, c'est le thème le plus important dans une conversation. Si quelqu'un vous pose une question, vous répliquez Woyo si vous voulez vraiment que la conversation continue. Ne restez pas muet. Hein? Cette petite phrase vous permet d'engager le dialogue, de continuer la conversation. Allez-y, Woyo. Woyo. Uh-huh. Dites un peu, me vous me battez. Tu sais comment on dit tu as mangé? Ngan. Pekosil. Oh. Ozaou. Oh. Me vous battez. Oh. Oh. Continue, aider là. Elle ne connaît pas, elle n'a pas de vocabulaire. Ozaouza. Mm-hmm. Ozaouza. Ozaouza. Oui, ze, c'est le verbe manger. Ouze, la nourriture. Ouze, c'est la nourriture. Ouze est constitué de quoi et quoi? Chose et manger. Les bravo. Manger. Donc, il y a ou et ze. Chose mangeable. Ouze. 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 Ose ouze ze, allez-y. Ose ouze ze. Comment vous vous battez? Comment vous battez? Comment vous battez? Ose ouze ze. Ose ouze ze. Ah, reprends. C'est la question. Ah, ok. Je voulais dire non. J'ai répondu Ngang. Ah, Nga. Nkazouza. Allez-y, Nkazouza. 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 Woyo siesi. Aha. Woyo siesi. Ozouza ze. Allez-y. Woyo siesi. Ozouza ze. Ngazouza ze fête. Le fait de la fin. D'accord. Ça veut dire jusqu'à. Assou. Ça veut dire ta. Te kembe. Te mbe le bas. Oza ouza. Wa. Tu veux dire que, peut-être. Que. Tu vas dire, comment on va poser la question là, qu'est-ce que tu as mangé? Ose. Que t'ose ou bien ose que? Ose. Ose que. Ose que. Ose que. Aha. Que tu as fait? Ge ze sanga. Ge sanga. Ngoza sanga ya peto. Pi tuka. Ah, pi lamsok. Pi lamsok. Nga nkomo lamson tam. Je n'ai pas mis le sucre dedans. Kamo nkomo. Mo s'est lancé. Ah. Nkomo lamsok tam. Tam c'est à l'intérieur. Paul Angembi, Betty le Chicho. Ngue, quoi? Ah, Woyo. Yo. Woyo. Woyolo. 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 Pour demander, how about you? On dit quoi? Woyolo. Woyolo. Betty le Chicho. Me vont battre, Betty le Chicho. Tim, waouh. Tim. Gomme en Gualumba. Je suis là, je te néglige. C'est pour ça que je ne fais que t'interroger. Je crois que tu es derrière alors que tu es devant.
pele mo ngue kwe sa ou. Ngue kwe sa ou. Et après? Woyolo. 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 Ngue kwe sa ou veut dire quoi? J'aime le calcul, les choses. Bravo. Calcul. Bravo. Donc tu connais calcul, Mouvo? Nga, sando. Ça, c'est ah, calcul. Sando. Uh-huh. Voilà, c'est là que j'ai pris. Et je sais que où ces choses. Donc les choses bravo. Calcul, calcul. Bravo. Voilà comment on fait des associations. Elle aime ça où? Ça où c'est le calcul. Donc le calcul des choses ou ces choses. Ngo kwe sa ou woyolo. Allez-y. Ngo kwe sa ou woyolo. Ça veut dire? J'aime les calculs. J'aime le calcul. Et toi? Ici, ça peut être même mathématique. Mathématique. Mais rigoureusement, les mathématiques, c'est jinu sa ou. Allez-y. Jinu sa ou. La science des calculs. Bravo. Mais bon, Chami, aussi mon diabombe. Aussi mon diabombe. Ça veut dire quoi? Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Hein? Tu ne dors pas. Hein? Aussi mon diabombe. Aussi mon diabombe. Fassi, tu es là. Il y a seulement un seul bar dans le. C'est là. C'est là, mon chat. Allez-y, c'est le monde. C'est le monde. Ça veut dire quoi? Li. Monde. Bravo. Mais monde, c'est quoi en français? On écrit ça souvent comme monde. 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 Ah, d'accord, ok. Donc, chaque fois que vous allez voir les choconte, monte, tout ça, c'est un tio. Tio. Ntio. Ntio. Allez-y, Muntio. Muntio. Et Chokonte, c'est quoi? Chokonte. Chokonte. Bravo. Tamte. Tamte. Fab. Polangembi. Ok. C'est pas un kwe. Lis bien les tons. Surtout les tons. C'est quel ton ça? Et alors, et avec le coup de gloss, ça fait eh. Avec le coup de gloss, le eh devient eh. Non, non, ça c'est si. Non, les tons. Le ton bas. Pas un jeu, le ton bas, un jeu. Jeu. Nous vont me danser, mais où? Bon, Allez-y, lisez d'abord cette voyelle. Et l'autre? Ça fait Mais on ne lit pas comme ça, on fait la liaison. Ça fait Oui, je vous ai dit que le E, avec le coup de glotte, ça devient E. Mon bon chat, amitié, voilà, Ticho. C'est pas un com-com, c'est quoi, aidez-la. Com-com. Com-com. Tu ne veux pas de l'aide, directement, tu trouves. com-com. Ok. Non, c'est pas non, c'est ti. Non.
Ah, parce que ça, tu ne comprenais pas. Non. Ngo kwe kum na ju. Pi mbo mbo Mba, mba. mbo mbo Hey. he. Allons-y. Ngo kwen kum na anju. Ngo kwen kum na anju. Pimba he. Pimba Traduisez. J'aime le koum-koum avec le pistache La sauce et pistache. la sauce pistache et la viande La viande. La viande de bœuf. De bœuf. De Donc ne dis plus mboka au jamais de la vie. Hein? Donc le bœuf, c'est Allez-y. Mbankouni, ça me perfe. Chassiola au poumon. Chassiola, mbankouni. Chassiola. Chassiola. Dites, j'ai mangé la viande de bœuf. Pour si zomba, on ne zoppe pas le mba. Dans le dictionnaire, vous allez voir différent entre z et quoi? Mfa. On fait les choses qu'on mâche longtemps avant d'avaler. Wow. Mais on z les choses qu'on avale rapidement. On avale doucement. Oui, donc, quand vous allez beaucoup mâcher, comme le koum-koum, on z. Bon, d'autres m'avaient dit un jour qu'il fallait le koum-koum. Bon, ça. Si quelqu'un dit qu'il fait le koum-koum, ça veut dire qu'il mastique ça avant d'avaler. Donc, la différence entre ze et fa, c'est ça. Quand on ze, ce n'est pas difficile à manger, c'est facile. Mais quand on fa, ça prend du temps pour bien mâcher, mastiquer longtemps avant d'avaler. Donc, maintenant, pour la viande, on famba, pelem famba. 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 J'ai mangé la viande. Le famba. Le famba. Le famba. J'ai mangé la viande de bœuf. Le famba. Le famba. Mba. Le normalement, le mot viande, ça veut le a partout ici, quand il est isolé. Observez très bien. La viande, c'est mba. Allez-y. Mba. Et même le deuxième E est ba. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Mba. Il y a un complément du nom ici. Ça veut dire la viande de. Dans ce petit changement de ton-ci, dans ça, il y a déjà un complément du nom qui s'est déjà caché. Pemunjo. C'est. Oui, donc, je vous avais dit que quand le ton est bas, pour continuer la phrase, le bas là devenait sombre, n'est-ce pas? Vous vous rappelez pas? Je vais vous donner un petit exemple. Comment on dit le pied? Cou. Le pied de l'enfant. Koumou, bravo. Koumou. Qu'est-ce qui s'est passé? Koumou. Le ou est devenu. Le pied à l'enfant. Mais c'est du ton que je parle. Le cou. Le ou est devenu. Ou. Donc quand je dis cou, ça veut dire le pied de. Il y a un complément du nom qui est imbriqué là. On ne colle pas cou et mou simple. On ne dit pas koumou. On ne dit pas comme ça, non. Mais on dit quoi? C'est la même chose. La viande, c'est mba. 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 He. Mba. Oui. Donc, d'autres écrivent même ça, là, le ton moins ainsi que le ton haut. Que mba. Hein? Mba. Parce que le bas devient normalement ce mieux, mais ça ne sonne pas vraiment mba, mais c'est mba. Mba. Allez-y. Mba. Mba. Dites un peu la viande de la chèvre. Bon vie. Nantendo, c'est faire des sacrifices.
On parce que tu connais une vie rapidement. Je connais une vie parce que j'aime ça. Ah, dis alors que j'aime la viande de la chèvre. Voilà. Bonne vie. Dis, j'aime tellement la viande de la chèvre. Ou alors quoi, au lieu de ta. Te kembre. Ou bien quoi? Je vais répondre à une question que tu n'as pas posée. Donc, mbre, ça veut dire les moyens. Mbre, allez-y, mbre. Dites, je n'ai pas moyen. Carumbre. Ou alors, mbre simboab. Mbre simboab. Comme corsimboab. Donc, je n'ai pas de mbre. Mbre, c'est moyen. Donc, vous allez aller demander l'argent à votre père. Il va vous dire parfois mbre simboab. Il peut vous dire ça. Parfois, quand tu cherches une solution à un problème que tu n'arrives pas à voir, tu dis mbre simboab. Donc, te mbre le b, ça veut dire jusqu'à il n'y a pas moyen. Ah, oui. Te mbre le b. Te mbre le b. Allez-y. Et c'est le même, un synonyme, c'est te kembre. Le kembre, là, veut dire aucun moyen. Ké, là, c'est un mot akaï pour dire ce. Donc, les ancêtres disaient ké, pelemme ké. Et ce mot-là se retrouve dans un nom propre. Vous connaissez de quel nom il s'agit? Keu, vous avez entendu Keu? Keu. Keu veut dire ce ou, c'est la même chose. Peyou. Le ke là veut dire ce. Donc, quand on dit kembre, ça veut dire ce mbre, aucun moyen. On peut dire kembre simboab, mais ça c'est archaïque. Mais aujourd'hui, on va dire quoi? Ce mbre simboab. Je n'ai aucun moyen. Voilà. Paul Angembi. Donc, on lui demande quoi? Le Cécile lui demande quoi? Il dit, on dit, quoi? Ça ou? Oyolo. Lui, il aime plutôt quoi? Il aime beaucoup. Aucun rapport. Mais il dit ce qu'il aime, non? Il y a un rapport, il dit ce qu'il aime. Amangue, ça veut dire parler, dit. Amangue, ou la chose. La chose. Yi, que, la chose dont, la chose que, yi. Ou yi, a quel, la chose qu'il aime. A quoi, Amangue, allez-y. Amangue, ouya quel? Ouya quel? Me vaut poil le chien le chicho. Ngue. Ah, chien, ça veut dire lit. Ah, zé, zame, nga menu. Ngameni. Ngameni. Woyo. Zenzome. Wa. Oh non, zenzome. Wa. Pekosi. Wa. Non, c'est pas aïe.
Allez-y. Zezam Ngamani. Zezam Ngamani. Woyo. Zezo. Woyo. Woyo. Zezo. Zezo. Un pefangue. Fangue, ça veut dire traduit. Pefangue, le ticho. Je m'appelle. Mon nom, c'est Ngamani. Et toi, quel est ton nom? Tim. Tim. Donc, vous voyez que woyo, n'oubliez jamais le woyo quand vous voulez continuer une phrase. Hein? Woyo. Pechele. Mba Nkengi. Zenzam. Ne lisez pas le N. Aussi, tiens, ne yan diable. Zenzam. Money. Il n'y a pas le coup de glotte. De money. Tim, allez-y. Zezaman de money. Zezaman de money. Une notion rapide de culture. Hein? Money, t'as mis le nom des jumeaux. Des jumeaux. Donc. Chocomeni. Chocomeni. Donc. Si mon nom, c'est quoi? Chamna. Voilà. Chamna. Si quelqu'un veut me donner un homonyme et qu'il est jumeau, comment est-ce qu'on... Bravo. Petamgatui. Tim. Tim. Pemangatui là. Tim. Voilà. Donc, on prend le diminutif du nom, disons-le comme ça, et on met Meni derrière. Voilà. Donc, si mon nom est Chamna, Chamgwe, tout ça, on va dire Chameni. Si mon nom est Poileux. Poameni. Donc, la plupart des gens que vous allez voir avec les Meni derrière leur nom, la plupart sont des jumeaux. Je dis la plupart parce que parfois, ils ne sont pas jumeaux. On a juste surnommé un jumeau avec un. Mais pour la plupart, ce sont des jumeaux. Et le petit frère des jumeaux, on les appelle quoi? Kameni. Idriss Akalo Kameni. 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 C'est le petit frère des jumeaux. Et l'aîné des jumeaux s'appelle? Mbakam. Allez-y. Mbakam. Mbakam. Non, il n'y a pas de Meni sur sa part. Lui, on ne savait même pas qui sera Mbakam. C'est quand on accouche même les jumeaux qu'on l'appelle Mbakam. C'est un nom qui ne se trouve pas sur l'acte de naissance de l'enfant. Le Mbakam. Mavo Ijo Mbate. Non, c'est juste un commentaire. C'est très intéressant parce que je viens d'apprendre, puisque chez nous aussi, on a les jumeaux s'appellent, si c'est masculin, c'est Tani. Et les... Oh. Oui, les féminins, c'est Mani. Mani, c'est-à-dire je suis jumelle. Wow. Là... Oui, vas-y. Tani, c'est le père des jumeaux. Exactement, c'est ça que Mani. J'allais dire. Mani, mère des jumeaux ou jumelles. Donc, c'est très intéressant d'apprendre. Je suis très reconnaissant. Et tu vois... Elle dit qu'on appelle le père des jumeaux Tani et c'est comme ça même dans la culture Bamileke. Donc, même chez les Bamileke, le père des jumeaux, c'est Tani. Allez-y. Tani. La mère des jumeaux, Mani. 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 Ma, c'est la mère. Mani. Oui. Et jumeau même, c'est Ni. C'est le Ni là qui veut dire jumeau. Donc quand on dit Mani, c'est la mère des jumeaux.
Et je vous avais dit qu'un synonyme de Mba, c'était quoi? Ta. Mba, c'est le père. Un synonyme, c'est ta. D'accord. Là, vous recollez alors les pièces maintenant. Tani. Allez-y. Tani. Mais Mbou Mbati, ça, c'est plus intéressant encore. Là, tu es d'où? Rappelle encore aux gens. Je suis d'Ossing, Manfé. Voilà. Mm-hmm. Wow. Comprenez très bien ce qui se passe. Quand je dis aux gens qu'on est un peuple, les gens croient qu'on est juste une population. Donc, voilà des preuves encore qui viennent encore souder ça. Hein? Je me vois aussi. Ah ah! Tim! Wow! Tim! Je voulais dire en patois, non en français. Je me vois aussi. Tim! Tim! Tic-lic-lic-lic-lic-lic! Tum! Fab! Oh, voilà. Bon ton. Ah ah! Oh, m'benjinte! M'benjinte! Oui, m'benjinte, c'est le ton. Mbé, c'est bon. Okay. Mbé, c'est bon. Ogu mbé, j'inté. Sinu. La grande sœur des jumeaux, c'est encore, pardon? Le grand frère ou bien grande sœur, c'est Mbakam. Mbakam. Oui. Vous allez voir les Mbakam là-dehors. Hein? Si vous voyez Mbakam. Il y a ça dans le livre de mon prénom africain, mon prénom Bamileke là. C'est bien explicité. Il y a beaucoup. Je vous pose la question. Et en Baganté, ce serait. Parce que ma maman s'appelle Mbanku. Elle est la grande sœur des jumeaux. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas une correspondance. C'est qu'on aurait prédit alors les jumeaux avec elle, par contre. Hein? Parce qu'elle est la grande sœur, donc on ne savait pas encore qui devait avoir des jumeaux. Oui, donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne te donne ce nom que quand les jumeaux naissent. Je vais lui demander. Donc, généralement, c'est quand on accouche les jumeaux qu'on t'appelle, on change ton nom, et on met Mbaka, mais ce n'est pas un nom qu'on écrit sur l'acte la plupart du temps. Mm-hmm. Mais on t'appelle Mbaka. Mais pour le Nkromeni, la plupart du temps, ça se trouve sur l'acte, parce qu'on sait déjà que les jumeaux sont là. Donc, les jumeaux, c'est quoi? Ni. Ni. Ou bien Pouni. Pouni. Ni, c'est juste un, hein? Pouni, les jumeaux, hein? Un des jumeaux dit Lani. Allez-y, Lani. Lani. Oui, Lani Abe, voici mon jumeau, Lani. Voilà. Lani. Mais il y a toujours Ni là dedans. Et Ni là est en connexion avec le dieu providence mythique des Bamileke qui s'appelait Nini. Allez-y, Nini. Nini. Oui, Nini. Ou bien tout simplement Ni. Même Ni, c'est Ni là, c'est le dieu des providences dans la mythologie Bamileke, hein? Donc celui qui pourvoit. Donc je peux dire un Nibobowo, un Siebomowo. Donc un Ni, c'est un synonyme de Sie qui est Dieu. Hein? Paul Angembi. Petielonjo Chicho. Mavombate. Chielo Chicho. Gokwe. Go kwe, fais bien go le kwe. Hein. Go kwe, me vo. Mshua. Mshua. Mbao. Mbao. Mbao, chim. Mbao. Mbao. Woyolo. Chim. Ululululululu. Allez-y, go kwe, me vo, mshua, mbao. Go kwe, me vo, mshua, mbao. Ça veut dire quoi en gros? Quoi, mon chambo? J'aime les mères des jumeaux, non? Ah oui, allez-y doucement. J'aime ma mère et mon père. Non, chien, ça veut dire plus que. Plus que mon père. J'aime ma mère plus que mon père. Donc, retenez comment on dit plus que Pelem Chio. Chio. Dites, j'aime la viande plus que la nourriture. Bravo. Donc, un quen chio, ça veut dire aimer plus que. Hein? Donc, un chio, ça veut dire plus que. Pour dire je suis géant, je vais dire ça. Allez-y. Ça. Je suis plus géant que mon petit frère. Ça, je suis.
Nganjam. Nganjama. Nganjama. Je suis plus jeune que mon grand frère. On va te dire que Yagula, Yagula veut dire quoi? Ça fait quoi? C'est ça même. Non, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Yagula, allez-y. Yagula. Donc, un gars qui aime vos chambres, voyons sa réponse. Mbemu veut dire quoi? Moi aussi. Moi aussi. Voilà. Donc Mbe veut dire aussi. Mbe. Hein? Mbe, c'est moi. Comment dis-toi aussi? Mbemu. Je vous ai introduit ça hein, ici aujourd'hui. Mbo. Ya. Ya. Oui. Mbo. Ya. Mbo. Mbechuna. Mbechuna. Chuna veut dire la même chose que Mbemu. Mbechuna. Mbechuna, ça veut dire moi aussi. Donc il insiste même deux fois. Hein? Mbemu veut dire Mbechuna, mais il dit Mbemu. Après, il dit Mbechuna. Voilà. Voici le dialogue que je donne toujours. Malheureusement, on n'a plus que peut-être 5 minutes là. Mais voici le dialogue que je donne toujours à Ali. Essayons de lire ça. On va prendre 5 minutes pour commencer et vous allez lire la suite entre vous. Généralement, on forme les binômes pour lire ça. Et envoyer comme devoir. Mais essayons, commençons d'abord. Wapiwa, je veux 2 personnes là. Moi? Me. 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 Ganga m'chot, m'ba pita m'juge. M'ba m'kengni. Pi m'von chami. M'be la memo. Memo. Mbemu. Si c'est rare de vous corriger, si vous connaissez. Mbemu. Mbemu. Tata. Mbemu. Faites attention. Mbemu. Ce n'est pas Mbemu, c'est Mbemu. Mbemu. Tata. Pas bientôt. Tu confonds le i et le i. Yamenoxi. Woyolo. Gunte. Gunte. Gopeno. Zezoma wa. Ne dis pas wa, dis seulement wa. Zezoma wa. En fait, si on a tendance à dire wa comme c'est la question. Ah. Le point d'interrogation. Le point d'interrogation. OK. D'accord, je vous le concède. Langembi. Zezam ngas. Passe. Ce. Ngas. Les tons. Zezam ngas. 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 Vous savez ce que ngas là veut dire? Deti détient. Qui détient, c'est déjà très bien. Ah, c'est le ngas.
Voilà. Le nom là se retrouve en baganté comment? Ngassam. Ngassam. Oui. Ngasseux, c'est quelqu'un qui a manqué de quelque chose quand on partageait. Ngasseux. Mm-hmm. Je me disais bien ceux là, c'est. Donc ceux, c'est. Celui qui détient rien. Oui, c'est donc ça, celui qui a. Celui qui a manqué de quelque chose. Oui. Il a raté quelque chose. Ceux, c'est l'absence, non? Ceux. Ah, comme, c'est... Non, c'est comme ceux ou... Ceux ou rien. Ah, oui. Oui, mais donc, ici, là, l'autre sens de ceux, c'est que... Oui, c'est dans le même sens que tu as raté quelque chose. Hein? Mais ça veut dire que ce n'est pas un bon nom, ça. Je ne peux pas donner un nom à ça. Ah, ouais. Allons-y. On n'est pas sur l'onomastique ici maintenant. Zezamangaseu. Pelangembi. Zezamangaseu. Woyo. Non, pas Woyo. 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 Zezomawa. Zezama. Kiva. Là, on attrape les gens qui ne lisent pas directement. Tiens, pour les gens, lisez chaque mot. Zezama. Chaque jinte. Chaque. Zam Kev. Kim. Kev. Kim. Allez-y, Kev. Kev. Là maintenant, on va voir les gens qui lisent vraiment avec l'alphabet même. Ça c'est E. Après E, ça fait E. Pelem E. 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 Kev. 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 Zezam Kev. Zezam Kev. Kev veut dire quoi? Il y a des A-K dedans. Et il y a V. Refusé. Non, pas K qui est refusé. K, c'est la loi ici. Oh. Et V, c'est la vie, la loi de la vie. Oh. C'est un très joli nom. Kev. Ah oui. C'est ce genre de nom qu'on a. On a regroupé au moins 200, on a mis dans le livre des prénoms africains là. Je vous recommande ça. Qu'est-ce que tu as envoyé le livre ici à Douala? Ça va venir d'ici peu. C'est encore en route. Donc, okay. Kev. Anne. Ngako. Je vais voir avec lui. Fab. Zezame Kev. Hein? Zezame Kev. Si, Maha. Un petit. Merci, mais Paris, Paris, si. Kim! Paris, si. Non, SS, pas Z. Paris, si. Woyo, aussi, mais. Don Sima, Bene. Tim. Tu es à Bana. Tu es à Paris, tu es à Bana. Tu n'as pas donné de. Ah. Ok. Njima. Njima Oma. 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 Njima Oma. Sim. 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 Simbe. Mbe. Simbe. Njimo me simbe. Njime. Ah, njimo me simbe. Donc tu es villageois. Mais là, on fait la liaison ou pas avec le E et le O? On fait la liaison. Njimo me. On fait toujours la liaison. Simbe. La liaison, oui. Okay. Ya quo fa. Ya quo fa, bien trouvé. Yo. C'est pas yo. 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 Tum fa. 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 Yo tum fa. Yo tum fa. Mek. Ça veut dire quoi?
ton nom. Ton métier. Ton métier. Ah, c'est quoi le métier? C'est quoi tu fais comme travail? Mvrangan simbélan gaman zunya. Cultivateur. Woyo. Ton fa. Fa. Ngamata. Mua. Ta. De. Tim. Tim. Angola chicho. Ngamata. Mua. Ta. De. Oh, y'a peut-être. Tu lis les tons. Ngamata. Mua. Ta. De. Une grande commerçante. Fale. Pas le, c'est le, bib. Fa. Le. Ah, les tons. Fale. Que beau. Ta. Ta, ta. Oh. Kambo tabala. Oh. Kambo tabala. Bala. Bala. Mba. Amba. 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 Pa. Nshila. Pa Nshila. Bah, je suis là. Banque, ni mon jeune d'âge. Bah, je suis là. Mais quoi, alors, il demande où me chemise. On va aller comme ça, est-ce qu'on tient? Où me chemise? J'ai. Où me chemise? Directement. Où est là? Ah ah, nga wena chim. Chim. Lig 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 lig. Je dis toujours le 8 en baganté. C'est un, OK. Jassi, lundi. Pas bon. Là maintenant vous reconnectez maintenant tous les points de la présentation, hein? Woyo. 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 Oya. Le coup Oya. De si. Oya. Oya. Lundia. Lundia. Oya. Lundia. 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 Oya. Lundia. Ya. C'est déjà. Déjà. D'accord. Nga. Jassi. Le beurre n'est pas obligé de le dire parce que tout à l'heure, elle n'a pas dit la. Oui, justement. On va arriver dans la grammaire avec ça plus tard. Le beurre n'est pas obligé ici. Ah, ok. Très belle remarque. Là. Ya. Voilà. Non, ce n'est pas ya, mais ya. Ya. Oh, Rumoa, il faut vraiment. Ya chomun shu tuna. Il faut que je parte. Ya chomun shu. Monsieur. Nge menesi. Nge menesi. Nge menesi. Moi-même, ya chomun shu. Je vais aller chercher l'enfant. Nge chomun. Ah, ok. Je vais vous envoyer le fichier. Peut-être, forçons pour finir un peu. Non, je vais vous envoyer le fichier. Vous allez continuer. Formez des binômes entre vous. Hein? Et vous allez lire, vous allez faire le dialogue et envoyer la vidéo dans le groupe. C'est comme ça qu'on fait. Donc, okay, j'attends. Vous allez former les binômes dans le groupe. Hein?